Ça qu'a fait là? Posez-nous là. Pendant ce temps, Smart Creole Tech posé là tout et l'hypothèse information pour nous tout. Bon, si nous gagnons déjà, tant mieux. Parce que nous avons besoin d'informations ça. Un domaine informatique là. Par exemple, là, nous en 2020 et que en pile des autres coronavirus qui viennent by problème. Tout le monde, bon, nous ne pouvons pas ce qui a passé, nous ne pouvons pas créer réalité. Donc pendant ce temps que ça vient fait, nous pas qu'à le travail correctement qui peut mettre nous. Donc du coup là je dis à là je viens avec un petit tutoriel qui parle parler de un outil collaboratif yo qui ça c'est bagaille qui permet nous travailler longue distance qu'il soit en Haïti aux États-Unis ou en France ou en Allemagne ou en Chine on peut travailler avec outil collaboratif ça veut dire que gain plaisir nous-mêmes nous allons parler de Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est un outil qui fait partie dans pack Office 365 là, qu'en pile l'autre service. Service ça que nous pourrons parler de lui maintenant, il prend bonne opportunité travail à distance. OK? Qu'il soit informaticien ou pas informaticien, dès qu'on utilise un poste ordinateur, on peut travailler à distance. Ça veut dire que on peut faire réunion avec équipe travail ou par rapport à modifications qui viennent bail par rapport à COVID-19 là, comme vous voyez, ou coronavirus pour l'autre qui a besoin de compte que j'ai enroulé ça. Et je connais compte que j'ai enroulé bagaille ça. Ok, pendant ce temps, nous là, Microsoft Teams, non, on a parlé de ça. Nous prenons le navigateur, on a tapé Microsoft Teams. Microsoft Teams, bon, pas besoin d'aller trop loin. Nous joignons là. Lorsque que nous arrivons là, nous joignons information qui sous Microsoft Teams là. Information minimum pour nous connaître sur Microsoft Teams, c'est ça. Ça me sélectionne en bleu. Ok, ça qui est en bleu là, c'est ça qui nous gagne pour nous connaître. Nous voyons que Microsoft Teams lui-même, c'est une application communication collaborative, propriété, qu'est-ce qui pour qui mon lié, c'est pour Microsoft qui lancé en 2016. Service là intégré. La suite Microsoft Office 365, ok? Dans suite là, et puis on va Skype et on va extension pour n'importe l'autre outil qui pas dans Microsoft 365 là, on est capable d'utiliser ça pour nous faire réunion travail. On a expérimenté ça au fur et à mesure. Microsoft Teams, c'est ça qui me choisit pour présenter nous. Mais il y a l'autre jour qui c'est n'a Cisco Webex, ok, qui c'est lui-même, c'est Cisco Webex, c'est en communication INC et c'est une société américaine qui est liée. Il offre service qui dans logiciel vidéoconférence, qui veut dire que on va parler avec maintenant dans vidéoconférence et webconférence, qui veut dire que ok, même Jack Skype, si nous gagnons. Donc on utilise Skype déjà. Et puis on a prouvé que en 2015, Cisco prend c'est un organisme mondial que lui est. Ok, mais information, si nous besoin de lire, on a qu'à lire tranquillement. Moi, c'est exemple que je viens de bailler. Je ne pas venir tarder sur ça. Si nous besoin de ça, on a plus. Moi, nous gagnons aussi Glow BL. Ok, ça c'est un outil collaboratif là. Même que prend site ça. Ok, là que nous prend site ça, nous arrivons là. Nous voyons que nous gagnons possible. Ça c'est côté français, ça y est. Bon, on est Microsoft, c'est mondial, mais par exemple, réunion en ligne. Ça veut dire que si nous besoin de faire une réunion en ligne, c'est dans ce secteur ça que nous avons. Si nous besoin faire en classe virtuelle, classe virtuelle là c'est là n'a pas organisé ça. Webinaire c'est quelque chose que n'a fait meeting en anglais, que n'a fait réunion sur internet là. C'est-à-dire que on va poster les organes, poster PowerPoint, ou poster Okai, ou poster Gonaïf, ou poster Tigua, ou poster Fondeneg bien sûr. Et des fois des Fondeneg ou pas qu'à des Fondeb ou pas des Fondeb blanc. Ou poster dans tout coin pays d'Haïti, on peut faire réunion là. Pendant ce temps que fonctionnalité, on peut avoir effort off, c'est là qu'on peut avoir ça. Et chaque off, par exemple, si on clique sur ce secteur off là, on peut joindre off. Bon, ça c'est rapidement que nous parlons de ça.
C'est juste pour faire nous. Pour ça que pas qu'on est, pour ça qu'on est déjà tant mieux. Nous avons besoin de connaissances à eux. Et nous avons besoin encore. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de Zoom, qui est un outil collaboratif. Ça qui permet de travailler dans l'époque où on a vu ça là, à distance. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit. Si on met, il faut laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire date, il faut faire carte, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, du coup, outil ça permet de travailler à distance. Ok, Zoom, c'est une communication société américaine qui est. C'est un Zoom vidéo. Communication est une société américaine, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de lien ensemble avec nous. Ils promettent nous faire téléconférence. Zoom lui-même, les situé aux États-Unis, à San José, ok, dans la cité californienne. Ils fournissent service conférence distance qui combine, comme je dis, vidéoconférence et puis réunion en ligne et puis chat. Collaboration, ok, mobile à l'aide des applications propriétés. Pendant ce temps que nous jouons, nous faisons pour connaissance de outils collaboratifs. Ça, nous-mêmes, nous avons prêté dans Microsoft Teams. Ok, Microsoft Teams en lui-même, c'est ça. Bon, comme nous connaissons que Microsoft Teams, c'est comme nous on dit, Microsoft. Nous avons retiré Team là, nous mettons Microsoft Windows. Mais, façon l'autre mouvement. C'est-à-dire que les nécessités, yon compte Microsoft. Bagaille que nous pouvons créer ensemble. Là. Ensemble. Là que moi dis ensemble, ça sont au navigateur que m'a pu utiliser là. Bon, qui va tellement. Enfin, bah, pour mon jouer, bah, ça, bah, n'a pas comprendre. Et puis, si nous besoin, il faut que nous créions compte. Si nous besoin d'utiliser Teams, il faut que nous ayons un compte Microsoft. Donc, compte Microsoft là, nous sommes capables de créer ce navigateur que nous connaissons, navigateur panneau qui s'est en nous, qui c'est Google. Pendant ce temps, nous avons dit créer compte Microsoft. Créer un compte Microsoft. Pendant ce temps, nous n'avons pas besoin de taper trop, nous jouons un mouvement là. Ok? Et puis là, nous avons que là, nous cliquons sur ça là, et puis nous avons dit que nous pouvons créer. Compte Microsoft, bah que nous connaissons en pile dans nous qu'on qui gère pour créer compte Microsoft. En pile dans nous, bah que nous connaissons en pile dans nous qu'on qui gère pour créer compte Microsoft. Pour ça que pour qu'on connaît, ben nous connaît avec Smart Creole Tech, pas de fait tout connaît. Ok, c'est pas si je connais. Donc nous-mêmes, si nous pas connaît Smart Creole Tech pour tes connaissances ça pour. Donc, dans le cas, ça n'a pas créé un compte Microsoft parce que dans le secteur français, il y a tout segment aussi en français qui a présenté pour moi. Et d'ailleurs, comme je connais français, il n'y a pas de problème pour nous qui suivent le tutoriel. Là. Si quelqu'un a gagné un compte Microsoft déjà, on est capable de faire connecter. Mais là, on a fait créer parce que dans le cadre tutoriel que je vais organiser là, c'est créer, on va le créer. Et tout, excusez-moi si vous avez un bruit dans. Dans la vidéo, parce que côté mien, il y a un bruit. C'est bon la rue là, c'est du côté moutéa, côté moutéa, l'immeuble que moutéa, c'est tout proche la rue. Ok, pendant que nous avons organisé ça, l'un de créer, nous venons un problème qu'il a. Problème qu'il a, c'est que nous n'avons pas le droit de créer compte encore là. Parce que, m'a expliqué, m'a fait tutoriel ça, m'a fait en français et m'a fait en créole. Donc moi j'ai un créé déjà. Donc le compte ça va qui me créé et qui connaît original là toujours original et toujours viré dans secteur pali. Si n'a pas ça m'a fait là, m'a PC récupérer compte là qui me là pour débloquer système là. Ben moi sinon me chirer, pas capable faire ce tutoriel là ensemble avec nous. Donc n'a cherché France et je m'a mettre numéro au téléphone ça que nous pas pour. Nous bloquer, mettons pause en vidéo et puis nous débloquer ça. Là que nous avons débloqué ça, m'a venir ensemble avec nous. Sujet, c'est pas ça. Sujet, c'est compte Microsoft. C'est compte Microsoft que nous avons créé pour nous utiliser Teams. Donc, si nous sommes capables de débloquer situation ça ensemble avec nous, m'a propose. Ok? Bon,
Ok, parce que tu as le point de vue de te bloquer sur ça, eh bien, on a clos ça. Parce qu'on t'a bloqué sous lui. Parce qu'on t'a bloqué sous lui, on a passé sur l'autre machine. Et qui est là, moi, sur une machine virtuelle. Pendant ce temps qu'on est sur une machine virtuelle, nous allons créer compte Microsoft Yo pour nous capables d'utiliser Microsoft Teams. Sinon, nous ne sommes pas capables d'utiliser Microsoft Teams. Ok? Donc, ce qui veut dire que là, on a mis SKT. Hein, qui pour Smart Creole Tech, hein? Et puis, on a mis à base Outlook pour s'il pas guettant déjà Outlook.fr parce que dans le secteur français, que nous même les points peuvent paraître. On a mis des points là. Et qu'est-ce que ça nous dit? Cette adresse mail fait partie d'un domaine. Ok. N'a pas fait un autre mouvement puisque il dit nous que l'adresse mail sera pas disponible. N'a pas mis SKT hein? Ok, parce que ça c'est moi qui t'ai réservé l'adresse ça déjà. Toujours dans le même domaine, mettons l'autre 1 encore. Toujours dans le même domaine, mettons 2 à présent. Façon c'est organisé qu'on a gardé qui j'en bagaille. Donc là pendant ce temps que n'est pas qu'une possibilité d'utiliser SKT machin tralali. Donc si nous mettez SKT Smart Creole Napoué Salabai toujours fait partie d'un domaine. Si nous mettez Tech parce que c'est comme ça, bah oui, ça veut dire que dans pile monde qui a utilisé compte Microsoft, ça veut dire que chaque lettre qui tape ont identifiant qui nous est que les déjà occupé, les guettants occupés déjà, faut que nous cherchions identifiant qui correct là. On mettez un, c'est mon souci. Et bien du coup toujours occupé. Bon, que je mettez là 12, mettez outlook.com. Mettez y là, outlook.com. SKT Outlook.com. Normalement, ça est disponible. Si nous faisons suivant, hop, déjà prise. SKT 1. On a testé avec SKT 1. Bon, là, nous avons possibilité de choisir une que nous proposons. Nous prenons ça. Nous avons proposé SKT 1 à SKT 1 2020 au base Outlook.com. Bien à point 2021. Nous gagnons pour nous créer, on va faire de 3 comptes Microsoft pour nous capables après à l'utiliser sous compte sous Microsoft Teams. Ok, laisse aller, nous voyons que ça est disponible. On a fait suivant. Et nous fait suivant, demandez-nous pour nous mettre mot de passe. Nous mettez mot de passe pour SKT 1 2020. Ok, pendant ce temps que nous mettez mot de passe là, nous mettez mot de passe ça que moi-même. Ok, mot de passe, on a besoin de montrer nous. Si on a besoin de caractère, ça va être clair. On a juste cliqué sous J, ça là, on a pour caractère. On ne pas montrer nous parce qu'il y a un mot de passe pas censé montrer. J'aimerais que Microsoft et son groupe d'entreprise, me contactent par courriel. Donc, moi, je vais quitter ça comme ça, je ne vais pas cocher ça. Ça veut dire que bon, on ne va pas recevoir message de Microsoft. Donc moi-même pas c'est pour un test qu'on a fait une nécessité parce que après Tesla je pas comme capable m'a pas comme pour le reconnecter sous compte ça encore donc on a quitté ça sans coucher puis nous fait suivant et que nous fait suivant là demandez nous acte de naissance pour SKT1 ça m'a fait tout mettez adresse ça non côté parce qu'il a besoin de m'a prend lui m'a copié lui. Et puis, je mets dans un bloc-notes. Même les que moi, tout le bagage freeze dans même là. Je vais patienter pour ça défriser. Ok. Là, il défriser. Je mets bloc-notes. Ça. Et puis, je copie adresse ça là en premier lieu. Ok. Ça, c'est le premier code que nous créons. Pendant que nous finissons de créer, je vais enregistrer les tout. Hein. N'a pas enregistré lui. Aïe.
machine n'a pas de difficulté. Pour que ça la bonne difficulté, pourquoi il y a trop de bagages ouverts sous lui. On a close navigateur ça déjà. Là que nous close navigateur ça, on a close fichier ça au clair tout pour que ça processeur ait un peu le travail à faire. Donc on a quitté le travail uniquement. Bon, nous retourner sur bureau de sens là. On a mis année pour lui, on a mis année, on a mis 1997 et puis on a mis 7 c'est juillet et on a mis 7 mois et puis on a mis 7 7 7e mois 1947. OK. Nous fait suivant. Là que nous fait ça contre la créer. Bagaille que nous connaît. On est au téléphone. Donc faut que moi choisir secteur que moi il y a, c'est moi t'es Haïti, moi t'as choisi secteur Haïti hein. Comme moi pas en Haïti, m'obligé choisir secteur côté moi il y a. Numéro nous n'a pas ouais du tout. Ce qui n'a besoin un contact ensemble avec nous, c'est pas ensemble avec moi. C'est pas un problème qu'il y ait. Donc, dans le cas, on a secteur français, on a tapé F sous clavier. Là, on a un pays qui paraît en F. On paraît France, 33. On a mis 6 et 6 et 05 62 31 92. Ça, c'est le numéro qui me va recevoir un mouvement. Ok, pendant ce temps que c'est le numéro qui me va recevoir un mouvement, il faut nous connaître le nap et le numéro qu'on s'en France, il faut que nous fassions 06 là. Là, je ne vais mettre 0 parce que plus 33, je vais dire 0. Nous fait envoyer. Et moi, je vais recevoir. Et. Aïe. Contre ça, je vais être trop content avec. Je vais mettre un autre numéro. Je vais mettre 6 toujours. Je vais mettre 17, je vais mettre 24, et puis moi-même, je vais mettre 6, et puis l'autre là, je vais mettre qui c'est qui deuxième dernier numéro. Dernier numéro qui c'est 81, parce que quand il y a un numéro, si je fais un petit il faut que nous comprenions. Nous fait envoyer le code là. Ok, là, je vais SMS qui vient pour nous créer le compte là. Ok, nous donne des notifications. Si que moi aller chercher un message que moi plus là, m'a mis normalement c'est 1703. Ça c'est code que mon gagne. Pas un problème. Ok, là nous allons enregistrer ça si nous voulons. Moi-même, mon pape enregistrer les comptes Microsoft l'a créé pour premier compte là. Là c'est premier compte là qui crée. Moi, je ne fais jamais parce que sinon, enregistrer mon passe là, ça va être fatal pour nous. Pendant que je parle là, on dit que le tutoriel a fait en plusieurs parties. Donc là, la première partie, nous créer le premier compte là. Là, nous avons pour créer plusieurs comptes. Là, son problème, on a créé trois comptes tout simplement. Donc, trois feuilles, trois racines. Bah, que nous connaissons. On a créé trois comptes. Nous créer le premier, il y a deux pour nous créer. C'est la même façon. Hein? Que nous avons créé compte Microsoft là pour ça que beaucoup connaît. Bon, ça n'a pas fait. M'a créé deuxième ensemble avec nous. M'a déconnecté des comptes ça là. D'accord. Nous finis créer premier compte là. Là, nous pour le pas de compte créé un. Pendant que nous créé là, n'a essayé ensemble avec lui pour nous voir que tout bagaille fonctionner. Après pour nous créer deuxième là. OK. Nous fait suivant. Et puis quelqu'un nous revient là, nous fait notre passe qui nous mettait pour compte là. Nous voyons que compte là les mêmes les corrects. Ok. Les quels corrects, si nous besoin que le correct, appliquez là, nous pas louer Outlook. Bah, excusez-moi encore si nous avons des bruits dans la vidéo. Outlook, c'est là qu'il n'a pas un message. Nous. Parce que là, nous avons un secteur contre Microsoft là, on attend toujours, on ne fait jamais. Là, nous avons un compte là fonctionnel. Bon, ça n'a pas fait, on a déconnecté nous. Nous avons créé l'autre compte là. Là que nous déconnectons, on est capable de close ça à tout. Et puis, nous faisons comme si c'était une nouvelle navigation que nous avons fait. On a que le mouvement ordinateur en retard. Et puis nous allons faire créer un compte Microsoft. Créer un compte Microsoft. Pour nous allons créer deuxième compte là. On a créé deuxième compte là.
ensemble. Puis troisième compte là, on est capable créer li on est capable créer la preuve pour nous capable gagner temps sur tutoriel sur vidéo tutoriel parce que ça peut durer trop longtemps. Deuxième compte on pour SKT2 puis on mettre à base outlook.fr. On a testé avec fr là parce que dans secteur fr là que nié. Excusez, on a fait là, on a mis .fr. On a secté là déjà. OK, il dit que courrier ça est en prix déjà. Donc si nous mettez extension ça nous mettez .com. Nous mettez .com, nous fait suivant. Nous voyons que ça existe déjà. On a choisi là on a quitté robot a choisi pour nous. Nous voyons que SKTD2020@outlook.com est disponible. Nous prenons et puis nous faisons suivant. Pendant ce temps que nous mettons mot de passe pour lui. Ok, nous correct. Là nous ne devons pas quitter ça. Et puis nous faisons suivant. Ça c'est pas un problème si que nous mettons même date de naissance là pour SKTDA parce que tout le monde doit remplir le monde qui doit aller même jour et même date même les ça va bah, que nous pas qu'à contester nous t'ai dit que c'était 1997 pas 77 87 94 95 93 bon ça avouez Tintin 1975 ça avouez Tintin pendant que c'est là que avouez Tintin. N'a faut-il patienter pour nous capable d'organiser ça correctement. 1999, 98, 97. Ok, nous prenons 97 là. Et puis nous prenons 7e mois. Et puis nous prenons et puis 7 là tout. Puis 17 juillet 1997, nous faisons suivant. Et puis, ça dit qu'il n'y a pas de problème pour qui ça. Parce que veuillez résoudre ce casse-tête pour nous faire parvenir vous êtes une personne. Ok. Alors il faut que nous résoudre casse-tête ça là. On a fait suivant. Qui casse-tête que lié. Cela fonctionne pas pour moi. On a fait casse-tête. Hop. Hop. On a mis le nom sans ça. Aïe aïe aïe. Ben, on a pas le sens ça alors. Nous devons mettre le comme ça. Si nous mettons le comme ça, ça c'est technique Microsoft. Hein. Mais en général, nous devons voir. Si nous avons besoin de changer la technique jouet là, nous avons changé là. Et puis si nous besoin de résoudre casse-tête ça et puis un fichier audio bon la façon que là elle est là casse-tête ça il y aller vers la gauche on regarde pour nous si on est capable de mettre le vers la droite si on pas capable de mettre le vers la droite tout le temps vers la gauche bon on a mettre vers la gauche on finit bien ça veut dire que nous fonctionné côté anglais tout simplement parce que nous connaît anglais c'est côté qui fonctionnait à gauche. Compte la créer. Et pour le compte la créer, on a mis le compte ça à tout dans la base de données. Nous. Dans la base de données, nous. C'est-à-dire que nous pourrons mettre le là. Dans le bloc notre là. Ça c'est le premier compte là. Ça c'est le deuxième compte que nous créons. Le troisième compte là, on a créé ensemble. Ok? Pour nous capables de faire expérimentation parce que il y a un pile de mouvements qui nous pourrons organiser. Sous Team Microsoft. Là, nous pouvons dans Team Microsoft toujours. Ça, c'est pour, voilà, monde qui a besoin qu'on ait vraiment une partie de A à Z. Donc, c'est que du coup, il n'y a pas respect qui m'a manqué. Ça, c'est une série de connaissances que c'est pas tout le monde pour opportunité qu'on a. Donc, pour ça qui n'a pas d'opportunité qu'on a, il y a pas de là, sans souci. Donc, nous créons deuxième compte là, nous voyons comment nous créons. Puis de temps en temps nous gagne un petit casse-tête, un petit machin pour comment on a géré ça. Donc troisième compte là m'a créé les vite fait pour capable gagner temps sur vidéo. OK?
Nous changeons qu'on était bloqué sur un navire sous bio, ça n'était bloqué, pas un problème. Nous détournons le blocus là et puis nous avons organisé. Et ça m'a dit nous, rebrancher. Parce que Titoré, ça a fait en plusieurs parties. Là, c'est préparation qu'on a fait après pour attaquer, Teams, Microsoft Teams là. Ok, si nous intéressons vraiment, nous sommes capables de rebrancher. N'a pas capable de jouer une suite tutoriel à côté pour administrer Team Microsoft qui c'est un outil collaboratif qui permet nous travailler à distance faire côté censé à le télétravail c'est-à-dire qu'on pas capable travailler physiquement ou capable travailler avec on capable travailler avec nous connexion internet un ordinateur et puis Microsoft Team bon ordinateur qu'on a pile dans nos ordinateurs mais outil ça qui c'est Microsoft Team on utilise ensemble à faire.